aujourd'hui, l'heure n'est plus au folklore. Échéance électorale de 2025 au Cameroun. Kingando, vice-président de l'OGI RDPC, Vourissante, invite ses camarades à motiver leur entourage à s'inscrire sur les listes électorales. Chers jeunes, citoyens du Cameroun, en vous inscrivant sur les listes électorales, nous donnons du poids à nos revendications et nous contribuons à construire un avenir meilleur pour tous. C'est en unissant nos voix que nous pourrons faire entendre nos aspirations et agir pour créer un monde plus juste et équitable. Alors, je vous encourage tous, jeunes citoyens, à vous inscrire sur la liste électorale et à exercer votre droit de vote. Ensemble, nous pouvons changer les choses et construire un avenir plus prometteur pour notre société avec notre président national, son Excellence Paul Biya, chef de l'État et président de la République du Cameroun. Camarades, allons à l'encontre de nos jeunes frères et sœurs en âge de voter, où qu'ils se trouvent, afin qu'ils participent eux aussi au changement comme nous. C'était le 24 mars 2024. À l'occasion de la célébration de l'an 39 du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, en abrégé RDPC, à la salle des fêtes d'Akwa, ici à Douala. Cette célébration du 39e anniversaire du RDPC à la section RDPC Vourissante était riche en déclarations et en interpellations. Il est important que les responsables politiques s'engagent à prendre en compte les préoccupations des jeunes et à leur donner les moyens de s'exprimer. Aujourd'hui, l'heure n'est plus au folklore. C'est pour cela que vous n'avez pas vu les danses traditionnelles dehors. Et c'est pour cela que nous avons souhaité que la graine militante du RDPC vienne ici aujourd'hui pour écouter la mise en route des dispositifs du combat. C'était en présence de Dieudonné Iva Adibois, gouverneur de la région du littoral, des responsables départementaux et d'arrondissement du Parti des Flammes à Douala. RDPC, oui, oui, oui. RDPC, oui, oui, oui. RDPC, ne faillira pas.